Salut les gens, c'est Julien Rive pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui, on est à Paris et on va courir la Odlo Crystal Run. C'est mignon ça. Hein. Ah, grosse ambiance ce matin. Et donc là, on voit les premiers partir. Plus vite! C'est trop lent! Richard en tête, il y a Joe qui enregistre sa 4ème ou 5ème intro et qui me frappe. Vas-y, toi aussi. Fermez tous vos têtes. Yves, il s'échauffe. C'est viril. Salut les amis, aujourd'hui on est à Crystal Run. Là on est dans le chasse pour partir. Je l'aide à finir son intro. Moi s'il te plaît, on va le faire du. Donc on va faire 5 km dans ce sens là, 5 km dans ce sens là, et après on va manger. Et ceux du fond qui se met à côté du chauffage là-bas, est-ce que vous êtes là? Oui. Ils sont pas bien là. Vous êtes obligé de vous mettre une chanson pourrie dans le fond là, je vous préviens. Ah bah oui, parce que ceux du fond là-bas ils ont pas répondu, donc c'est chanson pourrie. Merci Sébastien, Patrick Sébastien quand même, d'aller à part des chansons. Clap. Attention, est-ce que vous êtes prêts? J'ai rien entendu, tu parles pas. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, attention au passage. Allez, on est parti pour les tournettes. Avec de la neige dans la gueule. Je sais pas, j'ai un truc devant les yeux. Normalement, quand il y a des ponts, on crie. T'as essayé de tuer notre ami Alain? Quel enfoiré. T'as le mec qui court hein. À 5 minutes au kilomètre. J'ai bien reculé le Parisien, que ça c'est l'odeur. C'est chouette. Je vais tenter de prendre un moyen de locomotion moins fatigant. Je peux t'emprunter ton vélo pour aller plus vite. Non, tu veux pas? Bon. Ah, je vais réessayer. Et toi, tu me prêtes ton vélo pour que j'aille plus vite? Non, putain. Ils sont pas cool les gens ici. Première difficulté de la course, ça grimpe. Il y a du déplux là. Oh putain. Est-ce qu'on pourra faire une pause en haut s'il vous plaît? C'est le mec, il s'est tapé des trails pas possible, l'autre il veut faire une pause en haut de ça. Donc en fait, quand vous regardez les vidéos de ce mec, c'est que du fake. Grave, c'est que des montages, en fait j'ai jamais fait de course. Qu'on a à la place de la Concorde, on fait du tourisme. Il est peut-être marié le monsieur, arrête. Et ça me dérange peut-être pas. C'est vrai, t'es pas jaloux ça non plus. Oula. Et des dames. Ouais. Pardon. On peut rester? Oui, oui. T'es d'accord? Ok, on reste à faire des câlins alors. Elle a dit oui. Comment tu t'appelles? Laura. Eh ben enchanté Laura. On se fait un bisou. Et plus tard. Bien. Nickel. Quelle insolence devant la tour Eiffel. On va foutre le bordel. Marine qui se déshabille aussi. Wouh, c'est chaud. Émir, il a encore rien compris. Km 5, on va passer sous la tour Eiffel, qui est là. On va boire du vin chaud. Oui, mais où est le ravitaillement? Oui, mais quand? C'est ça la question. Mais quand? Quand est-ce qu'on peut... Ah, là, ça doit être ça. Après avoir sauté dans des flaques, j'ai les pieds bien trempés. C'est la merde. Et je vais recommencer. Ah putain, le con. Il est où le boisson? Oh, à manger. Merci. À manger. Oh, bah attends, il y a du chocolat, moi je reste là. Merci. Yes. On est reparti du ravitaillement. On nous avait dit qu'il y avait du vin chaud sur le programme. Là, il n'y avait rien. Il y avait de l'eau, du pain d'épices et du chocolat. Genre, c'est un truc de sportif qu'on fait aujourd'hui. Sur une jambe. Allez, belle. Allez, belle. T'es pas assez mouillé. Merde, mon dossard. Voilà, il est là. C'est bon, j'ai retrouvé mon dossard. Ah, le dossard. Ouais. Tu veux un câlin? Ouais. Hey.
Bon, ouais, les gens, on court, on marche, quoi. On court. Merde, hein. Oh, la vache. Ah. Alors, je crois qu'on a trouvé le prochain ravitaillement. Bonjour. C'est ici le ravitaillement? Ça dépend. Non. Non, c'est pas ici, donc. Allez, 8ème kilomètre. Un coureur de 51 minutes. Et je vous jure, je cours, mais j'ai rien fait. Oh, il a pas d'humour. Pense à la tartiflette. Ça c'est drôle, mal au ventre. On la reconnaît, les gens qui sont venus pour manger quand même. Franchement, qu'ils en profitent. Allez. Parce que là, dans un kilomètre, on est arrivé. On va faire fermer le restaurant. Voilà, moi je reste là. Ouais. Ah. Bon, y a pas de lettres. Partout, il manque le pingouin, il y est-il, mais c'est pas. Et voilà le DJ et le bonhomme de neige et le pingouin. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, t'as 40 en mouvement. Oh, t'appelles 40. Mange, mange. Oh, je danse, hein. Bon, voilà, ma montre vient de me dire 10 km, je m'arrête. Alors, jusqu'au bout, on y est presque. Allez, on donne tout. Allez, le dernier arrivé, quand il a fondu. Allez, les gars. On arrive au bout de cette première Odlo Crystal Run. Alors Yves, qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai de l'énergie, je suis content. Et bonne ambiance tout au long de la course, des petits spots de musique et tout. C'était sympa. Super. À part des petites animations manquées comme le tapis blanc où on se demande toujours pourquoi c'est quoi ça sert, ouais. Mais sinon, des bons spots musicaux, on a bien déliré. Yves, il se fout à poil. Franchement. Emir, tu te rends compte que tu fais faire des conneries à mon pote? Et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut! Est-ce que quelqu'un aura un rasoir? Bon, et toi Emir, qu'est-ce que t'as pensé de cette petite course? Bah écoute, je pense qu'on s'est beaucoup créé notre ambiance, ouais. Parce qu'effectivement le thème était là, mais niveau bruit, je dirais que je m'attendais à davantage, clairement. Mais on a fait du bruit! Effectivement, on a fait du bruit, c'est le bordel! Par contre, je ne sais pas où est la médaille, elle est où? Ah oui, c'est vrai! Attends, la médaille! Ouais, où est la médaille? Merci. Concrètement, on devait avoir une médaille à l'arrivée. Voilà, on a ça, un pins en plastique mou. Et une chaufferette. La chaufferette est jolie par contre. Normalement la chaufferette est jolie. Mais il est vrai qu'il est dommage qu'on n'ait pas eu de médaille comme c'est annoncé, qu'on a pu être jolie en fait. Là ouais, le pins c'est un peu décevant. Là il y a une maxi tartiflette. Il n'y a pas de reste. Tu veux pas que je te tienne un truc? Franchement. Voilà. Ah, le mec est trop fort, il se filme, il a bien fait. Ça s'appelle de la polyvalence. Allez. Yves, parlez de se faire percer les tétons pour la prochaine course. Ouais, parce qu'en fait, avec le dossard, c'est pas pratique. Donc là, tu vois, je me les perce, je me l'accroche, ça peut être pas mal. Tu mets un pic. J'adore ta coupe de cheveux, c'est dommage, tu vois pas encore du bleu sur toi, c'est bien dommage. Et on va aller voir Emir à sa descente de la scène. Alors, quel effet ça t'a fait? Je me suis fait jeter gentiment par la par la chanteuse qui m'a dit: monsieur, c'est par ici. Et voilà, donc la Crystal Run c'est fini. Bon bah c'était sympa, donc un petit peu d'animation tout le long du parcours. Un petit peu déçu à la fin par rapport à la médaille, parce qu'en fait il n'y avait pas de médaille comme annoncé. C'est vrai que le petit pin sans plastique mou, c'est pas bien terrible. Par contre le village vraiment sympa avec la tartiflette, la fondue, le vin chaud, il y avait de l'animation, il y avait de l'escalade pour ceux qui veulent, il y avait un truc de jeu vidéo, il y avait un truc de photo, vraiment plein de choses. Donc pour une première édition c'est pas mal du tout, 5000 personnes quand même. Donc on attend de voir pour l'année prochaine, s'ils remettent ça, il y a des chances qu'on soit là, quoi. Voilà, donc on espère que ça vous a plu de vivre cette course avec nous. Vous pouvez laisser un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on vous dit à bientôt. Chocolat. Donc comme vous l'aurez compris, ce sont deux produits à base d'insectes. Apparemment c'est plein de protéines, donc tout à fait adapté à un régime pour sportif.